Ces petites gens étaient soumises pour les consolider en un seul homme. اليوم المناسبة هي المناقشة ديال القانون المالية ديال 2024 من بعد لا سورتي ديال لا سيركولار. الهدف هو نجاوبوا على الأسئلة ديال جميع المشاركين في هذا اللقاء بحضور المديرية العامة للضرائب، لأن القانون المالية ديال سنة 2024 كيجي في ظل القانون الإطار اللي هذه هي القانون الثاني لهذه السنة اللي شهدت إصلاح ضريبة على القيمة المضافة بعد السنة الماضية اللي كان إصلاح ضريبة على الشركات، وأيضا بعض المستجدات اللي خصت إدماج القطاع المغير مهيكل في الاقتصاد الوطني. L'objet de cette conférence débat est les dispositions fiscales de la loi de finances pour l'année budgétaire 2024. Donc cette loi est riche en dispositions fiscales. Et donc la grande partie de ces dispositions concerne la TVA. Donc, et bien entendu, ça s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi cadre portant réforme fiscale au Maroc. Donc on assiste aujourd'hui à l'élargissement de l'exonération à certains produits de base de large consommation, tels que les médicaments, les fournitures scolaires, les conserves de sardines. On assiste à l'alignement des taux pour aboutir à l'horizon 2026 à deux taux de TVA, à savoir 10 et 20%, et ce pour réduire les situations du butoir. Et on assiste à des mesures qui facilitent l'intégration du secteur informel dans l'économie structurée. Par ailleurs, la loi de finances a apporté quelques mesures qui facilitent la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Et à ce titre, je cite l'amélioration de la procédure de l'examen de l'ensemble de la situation des personnes physiques, l'introduction du concept du droit à l'erreur, tout cela, bien entendu, pour essayer d'aboutir à un système fiscal juste et équitable. Donc nous, en tant qu'experts comptables, nous œuvrons pour la mise en œuvre de la loi, nous facilitons la vulgarisation, nous accompagnons le contribuable dans le sens de réduire tout comportement d'incivilité fiscale, voire éliminer ce genre de comportement.